Martin Moïse parlait, il parlait bail blanc, yo, parce que nous connaissons Martin Moïse qui était quitté le pays d'Haïti. Et bien, pour aller prendre un traitement dans les États-Unis, Martin Moïse parlait, il fait gros déclaration. Eh bien, les me disons ça, c'est tête chargée. Eh bien, nous invitons pour être branchés. Ce message, ça nous vient partager ensemble avant. Plusieurs autres messages encore sur Chanel Miguel Jean-Baptiste. Bonjour, bonsoir, ça va le débat de l'Embalga des vidéos. Bienvenue sur Chanel. Je viens nous avec une nouvelle vidéo pour vous sur Chanel. Pas oublier ou même, si vous vous abonnez avec Chanel, nous invitons à faire ça. Kounia, c'est une façon pour capable aider. Ne pas oublier de partager le groupe pour vous. Mettez les liens sur le site Facebook ou sur le site WhatsApp, c'est juste pour aider nous avancer. Avec ou même, si vous ne voulez pas perdre information des enquêtes, comment le président Jovenel Moïse l'a fini, comment le commencer, parce que l'enquête est en deuxième phase. Il va très prochain, nous ne pouvons pas le bailler. Il commence à marrer dans l'autorité, mais il ne pouvons pas le bailler. Non, il est très prochain. C'est seulement ça, tout le monde attend pour nous combien. Malgré que nous avons eu choléra. Bonjour, nous avons eu choléra, nous n'avons pas rajouté de papier. Papier, ben, et ben, papier, ben, dans les vignes, nous avons ah, comme si nous avons dit, rare dans le pays d'Haïti, c'est juste pour bourgeois, nous sommes capables de faire besoin. Et ben, vidéo nous pour aujourd'hui, et ben, pas oublier, Gary Pierre Paul lui-même, dans l'information, parle, de chercher parce que nous connaissons le droit d'un journaliste. Pour le mener enquête parle, c'est comme si nous avons dit, en forme de CPJ, parce que dans tout pays étranger, tout journaliste, même je cherche enquête par eux, enquêter, c'est juste pour capable aider pour informer la population. Ben, Gary Pierre Paul lui-même, il a fait enquête par lui, ben, enquête par lui, il a joué comment tout détail, comment il a entré comme président, comment il a fait, qui type de mesure assassinat il prend. Qui ça a été fait? Eh bien, nos vidéos, ça nous vient partager ensemble avant. Pour qu'on ait plus d'informations, nous venons juste faire autant de comment ça est. Nous ne venons pas pour nous dire nous-mêmes. Ça veut dire que si nous disons, nous pensons que c'est nous-mêmes qui avons fait, eh bien, nous venons faire autant de avec tous oreilles, avec tous oreilles, c'est juste pour capable comprendre comment l'autorité, comment assassin, l'autorité politique en Haïti, comment les méchants, eh bien, comment vous capable de faire pour les stratégies que vous prenez. Pour capable finir avec la vie ancien président Jovenel Moïse qui nous connaît qui tape combat malgré pas aucun président qui privé Haïti qui capable faire un bagage pour nous mais parmi eux même et bien depuis un président t'a en mesure pour l'aider nous et bien il tout prêt à tuer parce que c'est bourgeoisie seulement qui veut gagner contrôle pays et bien cette vidéo ça nous vient fort pas nous vient faire autant de nous mando rester suivre essayer capable garder vidéo jusqu'à la fin c'est juste pour capable comprendre comment négocié fait entrer et qui type de mesure tu prends et comment qui monde qui t'a piloté une information qui tombait aujourd'hui Martin Moïse by une interview à New York Times il baille certains détails et il baille des pistes concernant l'assassinat de son mari. Et il dit que l'envisageait, il pensait que capable candidat à la présidence. Et elle a dit que c'est oligarque qui a assassiné Marie. Il dit le jour où tu as assassiné Marie, il dit avec, dans le même cabane, il t'a des coups de feu. Et je venais prendre le téléphone pour les deux mounes, pour les mounes, et Martin dit, chérie, qui est-ce que vous là? Et je venais répondre, nous sommes les civils à Dimitri. Et on dit que tu as venu. Et c'est à ce moment-là, Martin dit que le cachet de Timounio, non sale qui bat des fenêtres. Probablement, c'est dans la toilette de cacher Timounio. Dans la salle de bain alors. Il est retourné. Et beaucoup de Maril. Le temps pour commencer à parler, il est rentré dans la quoi. Et Jovenel dit Martin couché. Couché. Là qui est quoi à terre. Et Martin dit, ok, le blessé. Col plein sol, là qui est quoi à terre.
Il fait comme s'il mourait. Il doit parler en espagnol et il a cherché un bagage, un dossier en dans la. Et il a un téléphone, il a parlé avec un monde qui a dû chercher. Chercher, chercher. Et pendant qu'il a cherché, et puis il y a un négo qui dit, nous sommes nés. Oui. Il a dit, ok. Et puis le négo sorti, il a quitté la tête pour moi, pendant qu'il a sorti, il a mis le pied sous le lit. Il a flashé pour te connaître si mourir. Il propose de mourir. Comme il prend balle, il a quitté le comme moi. Et il est étonné que la carrière qui connaît entre 30 et 50 sécurité, je ne sais pas de toute sécurité ça. Il dit, il par contre qui j'en personne ne va prendre balle. Il dit la police capable d'arrêter Colombien. Question importante pour poser, c'est qui est-ce qui finance l'opération ça. Il m'a dit FBI, retracer Cobla, financement, qui où l'argent fait et qui est-ce qui baille Cobla. Et Martin, dans l'explication, il dit que c'est oligarque là qui fait ça et il cite non. Reginald Boulos comme étant quelqu'un qui s'est ennemi Maril. Mais il dit, il pas dit, c'est lui-même qui paye assassiné. Mais il citait non, monsieur. Et comme tout le monde connaît, Reginald sont connus, des bails comme ça, c'est la déclaration de Martine Moïse. Mais elle n'a pas dit que c'est Reginald. Mais tout le monde n'a pas dit d'oligarque qui a pensé c'est mon qui est un cobre et mon minorité, etc. Mais c'est la déclaration de Martine Moïse. Donc, l'homme qui fait des déclarations, ça, on prend responsabilité, ok, par rapport à sa crivée. Donc, mais Martine ne dit pas candidat. Pendant que Martine ne dit pas candidat, il y a une question pour nous poser. Si Martine n'est pas candidat, Walter, Martine va en face de Michel Martelly. Par ricochet, on déduit que PHTK fait Jovenel un pile mal. Parce que si PHTK a collaboré avec Jovenel, Jodia Martin, candidat, il a dit plutôt, nous avons soutenu Michel Martelly comme candidat. Mais il dit pas candidat, ça veut dire qu'il identifie certains monde dans PHTK qui seraient probablement de mèche avec l'assassinat Maril. Et laisser ça dans le discours fait pendant tout ça. Donc, la bataille est ouverte aujourd'hui entre le PHTK et Martin. Kounia Martin pour aller monter équipe pour Jovenel et PHTK pour aller monter pour aller monter équipe. Maintenant, thème campagne de dire pour Jovenel. Si c'est Jovenel que Martin va l'utiliser comme thème campagne, PHTK va pas utiliser Jovenel comme thème campagne. Donc, moi je vais faire une connaissance pour conclure l'émission. Pour aller découvrir. Pour aller gagner beaucoup. Mais comme il y a une élection, pour ça Martin dit que le candidat, pour qu'il y ait élection. Mais l'interview à tout le journaliste là, pas dit côté mieux. Il avait dit Martin, paniquez le peur. Et pour l'interview, ça, tu as un peu de diplomate qui était là. Et tu as gagné l'autre monde qui était là. Ça veut dire. Le monde qui parle à face Martin d'élection, c'est Michel Martelly, Liné Balthazar. L'Hérisson, Lambert, ok, on s'assassine. Tout le monde sait au conseil qui bataille. Donc, il va l'obliger à faire Martine. Allons, belle bataille, moi, mais ouais, ça. Ce qui est bizarre, Walter, mets mon titre. Ce qui est bizarre, madame, nous suivons bien. Colombien a été depuis à 3 heures. Du matin, sur la route là, il n'y a jamais attaqué. Et opération pour lancer à 2 heures de l'après-midi. Ça veut dire presque, on nous dit 12 heures de temps. Hein? C'est ça? Presque 12 heures de temps. 2 heures du matin jusqu'à 2 heures et
3h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi. Donc, c'est bizarre. Un président fin mourir, tout policier au courant, des forces qu'il a, et puis on ne peut jamais attaquer les nègres. On nous dit, nous ne sommes pas des spécialistes de la guerre. Mais nous avons une petite intelligence, nous pouvons tout au moins réfléchir. Non, ça, moi, je comprends. Et là, je n'accuse personne. Si les Colombiens ont été maîtrisés, zone pèlerin, la boule, etc., ils ont été baignés le temps nécessaire pour les sauver. Vous n'avez pas de tourner monter en machine, yo. Soit vous faites mon calvaire, soit vous passez par boutilier, soit vous montez la boule, soit vous faites 15 coffres, soit vous passez dans la vigne de... Et Nixon, comment vous avez dit ça? La vigne de Cototoa, et puis vous avez parlé de Cafou. Mais si vous n'avez pas fait ça, c'est que vous n'avez pas de plan pour vous découvrir. Vous n'avez pas préparé un plan pour te courir parce que vous avez une certitude quelque part que des gens qui t'ont accompagné. N'avez ça plus devant. Ça veut dire que vous avez une assurance que quelque part tout va passer bien et que vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Finalement, quand vous me suis dit, l'assaut est lancé. Ça veut dire l'opération est lancée contre les Colombiens. Opération lancée. Moun qui chef opération. C'est le commandant Vladimir Parizeau. Même pas dire que ça. T'es tout nek ça. C'est pas raison qu'il lançait opération. Contre Dieu. Pendant l'opération, les deux Colombiens tombaient. Ma banotif, c'est ça toujours, mais ma banotif. Ils ont récupéré des matériels, des équipements et des armes à feu. Et par la suite, face sur Patissabien, à la puissance de feu que l'équipe par raison a lancé, il y a pile qui jetait pour le cacher dans l'ambassade de Taïwan.